Le CEA est un événement important pour nous parce que on a développé un centre d'innovation collaborative à destination des agriculteurs. Ça fait un an qu'il a été qui est sorti de terre et c'était l'occasion de le présenter au grand public et de le présenter à tout le monde agricole. C'est un grand défi pour nous. Alors j'imagine l'agriculture en 2050. En fait, je n'imagine rien. En fait, c'est notre objectif là, c'est de faire parler les agriculteurs. Pour moi, 2050, c'est bien trop loin. C'est qu'on a des urgences aujourd'hui contemporaines. C'est dans les années à venir que tout se jouera. Et j'ai confiance en fait en la collaboration avec le monde agricole. Alors dans AgriLab aujourd'hui, on essaye de sensibiliser les jeunes à être curieux et apprendre par eux-mêmes, apprendre par le faire et toujours challenger en fait les problématiques et ne jamais s'arrêter. Et c'est un peu comme ça que en fait, je leur explique en fait ce que c'est que l'innovation. La formation agricole aujourd'hui a un sacré pari. Le pari, il vient en fait des nouvelles technologies qui sont en train d'envahir tous les domaines. Et même dans les écoles de formation agricole, on a besoin en fait de se réapproprier les technologies. Et je pense que toutes les écoles sont en train de faire leur propre transformation. Les pédagogies sont en train de s'adapter aussi aux nouvelles technologies aujourd'hui. Donc j'ai bon espoir en fait qu'il y ait une nouvelle génération qui soit plus adaptée en fait à l'écosystème local.